Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. On va parler aujourd'hui de disques durs externes portables de la taille d'une carte bancaire. On va parler du Samsung SSD 1 taux 1 Tera, c'est vraiment énorme. Pourquoi faire l'acquisition de ce genre de disque portable en SSD peut être vraiment bénéfique pour vos données. Alors, on est sur un disque dur externe entièrement compatible macOS, Windows ainsi que Android, puisque vous allez voir la particularité de ce disque dur externe portable. Alors, dans un premier temps, on va retomber sur une petite boîte et à l'intérieur, on va retrouver les différents câbles. Dont ce câble, le câble qui va vous permettre d'avoir un échange de fichiers très rapide, qui sera donc de type USB-C vers type C pour brancher sur votre Mac ou votre PC sous Windows. On aura donc ensuite le deuxième câble et celui-ci sera donc de type USB-A vers USB-C. Voilà, donc on est sur un disque dur donc portable de couleur bleue, estampillé bien sûr Samsung. Il est vraiment très très sympa et vraiment très petit. Regardez l'épaisseur, ultra portable. Alors c'est un disque dur en métal, écoutez un peu le bruit qu'il fait. Et bien sûr, il n'aura qu'une seule connectique qui sera de type USB-C, ici sur le côté gauche. On va parler maintenant des spécificités de ce disque dur, comment donc vous allez pouvoir transférer à grande vitesse vos données sur un smartphone Android, sur une tablette, sur un Mac ou sur un PC Windows. Alors je peux vous dire que un taux en SSD, c'est vraiment énorme et très rapide au niveau des échanges des données. À part qu'il soit classe, il va falloir qu'il soit rapide au niveau de l'échange des données. Et voici tout de suite les spécificités. Les points clés, on a une capacité donc de stockage de 1 Tera, ce qui est vraiment très conséquent. La vitesse de lecture sera, écoutez bien ça, de 1050 mots par seconde. Vous l'avez compris, un échange de fichiers très très rapide. La vitesse d'écriture maintenant, on sera sur une vitesse d'écriture de 1000 mots seconde. Là, c'est vraiment énorme aussi. Et côté donc compatibilité, on a dit Windows, Apple, Android. Côté connectivité, on sera donc sur l'USB-C 3.2 Gen, donc une connexion très rapide. Donc un très très bon disque dur portable mini de chez Samsung. Énormément de mémoire pour mettre un maximum de données à l'abri au cas où. Samsung nous promet pas mal de petites choses très intéressantes avec ce SSD. Ultra résistant, IP65, c'est-à-dire résistant à l'eau, à la poussière, et tenez-vous bien, il sera même résistant aux chutes d'au moins 3 mètres. Vraiment un SSD pour les personnes qui aiment voyager. On va donc tout de suite le brancher à notre Android, ici le Pixel. Progression, vérification de clé USB Samsung, vérification du contenu actuel. Et comme vous venez d'entendre, il a été reconnu instantanément par mon smartphone sous Android. Ce qui sera donc intéressant de posséder ce genre de SSD, c'est sa compatibilité de pouvoir en fait libérer un maximum de place dans vos smartphones et tablettes sous Android en toute portabilité, et ça c'est plutôt cool. Aucune application à installer, vous allez tout simplement dans votre zone de notification et vous allez voir apparaître le SSD sans aucun souci. Mémoire de stockage interne, espace libre, 75 gigaoctets. SSD T7, espace libre, 1,0 taux. Samsung portable SSD setup 1.0 executable, 8,11 mots. Samsung portable SSD SW fort en droit TXT, 118 octets. Allez, on se retrouve tout de suite sur le Mac et on installe notre SSD. Programme d'installation continué, bouton. Français, continue, continuer, bouton. Entrée dialogue, refuse d'accepter, bouton. Installer, bouton. L'installation a été réalisée avec succès. Voilà donc pour la présentation de ce Samsung en forme de carte bancaire. Un SSD très fin, 1 Tera en mémoire, un disque dur portable sécurisé, compatible tout système macOS, Windows, Android pour protéger vos données avec mot de passe. C'est vraiment génial. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne. Et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision Hightech. Salut à tous.